Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Alpha et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Overwatch. On va tester la nouvelle Ange qui a été complètement rework et je ne suis pas tout seul, je suis avec le bon Sans Sushi. Ah que bonjour. Ah que bonjour Sans Sushi, comment vas-tu? Ça va plutôt pas mal. Ah plutôt pas mal, enfin, ça me rappelle les intros Guild Wars 2. Ah là là, à l'ancienne, c'est beau. C'est beau, hein, si vous voulez un petit peu de la nostalgie, allez voir les premières vidéos de la chaîne. Pour beaucoup de nostalgie. Pour beaucoup de cringe aussi. mais ouais. Peut-être un peu. Peut-être un peu. Enfin bon, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle Ange. Il y a aussi la nouvelle Diva que Sans Sushi va jouer sur le PTR avec les petites roquettes, vous venez de le voir. Mais on en parlera dans la vidéo qui sera dédiée à cette nouvelle Diva. Aujourd'hui on parle de la nouvelle Ange qui a, eh bien tout simplement, un nouvel ulti. Son ulti lui permet de voler, de faire plus, de tirer plus vite en fait, de ne pas avoir à recharger son arme, de heal plus. En gros, ça devient une super merci, super ange qui défonce tout en fait. Elle est très 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 puissante et elle peut DPS. Et son Réa, donc la capacité de résurrection, a été placée sur sa touche E. Donc ce n'est plus une capacité de zone, on ne peut que réanimer un seul joueur et on peut le faire toutes les 30 secondes. Donc c'est très puissant dans des escarmouches, mais par contre si vous perdez un teamfight complet, là c'est plus délicat. Voilà. Donc c'est intéressant, ça va un petit peu venir rééquilibrer Ange comme un main heal, tout comme Ana, plus adapté pour venir donner un avantage sur des teamfights, enfin sur des escarmouches plutôt que des teamfights. Alors que Zenyatta et Lucio seront bons avec leurs ultis en teamfight, voilà. Enfin bon, on est parti. Je vais essayer de faire un réa dès que je peux. Vas-y, Sansou, meurs. Non, je déconne. Vas-y, crève. Suicide-toi. Crève tout de suite. Allez, le DPS, merci. Bess, merci. Is DPS, merci. Ah oui, t'as pris cher quand même. Ah oui, donc du coup, toi, t'as moitié moins de matrice, donc c'est plus compliqué, quoi. Oui, oui, oui. Plus compliqué. Et on le sent vite, hein. Il y a un Macri à gauche. Tu veux pas aller faire l'hélicoptère Yo. D'attaque sur le Macri à gauche? Ouais. J'ai peut-être été un peu deep là. Ah, moi aussi j'ai été un peu deep. Aïe. Je suis mort, putain, quel débile. Alors par contre il y a un truc étrange, c'est que je n'ai pas réussi à annuler mon dash. J'ai l'impression, ah, je sais pas si ils tu l'ont peux viré. Tu, bah j'ai l'impression, parce que ça fait deux fois que ça me le fait en fait. Bah un peu... Je dash et j'arrive pas à annuler le dash en fait. Je sais pas, peut-être que je m'y prends mal. On peut pas dire que je sois un vrai gros joueur de Ange. Mais du coup la range du Réa aussi est bien plus faible. Regardez, je vais vous montrer sur Lucio. J'arrive à temps. Voilà, le Réa. Et il y a 30 secondes de cooldown en fait. C'est ça qui est assez impressionnant. Donc vous voyez, le reste très utile. Là, du coup, Lucio est mort instant. Il s'est fait un stand d'air. Il s'est fait juste un stand des pop. Vas-y, reviens, Sasu. Donc, je vais vous montrer le nouvel ulti qui est, ma foi, très 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 puissant. Vraiment, le nouvel ulti est exceptionnel. Voilà. Mada. Attendez, est-ce qu'on peut. Attendez, je me demande si on peut cancel le dash. Oui, si on peut. Là, je sais pas, c'était peut-être du delay. Pourtant, on a un bon ping. Étrange. Bon, ça y est, j'ai la battle merci de dispo. Je vais m'apprêter à défoncer la tête de tout le monde. Et puis, allez, c'est parti. Oh non! Oh, on peut bouger pendant qu'on est. On peut toujours bouger pendant qu'on est. Allez, la battle merci à la poursuite du soldat. Putain, mais c'était trop fort! Mec, c'est un truc de ouf! J'ai défoncé tout le monde! C'est insane! En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'elle a une cadence de tir de ouf avec son arme et elle ne recharge pas, quoi! Elle ne recharge pas, en fait! Donc, c'est vraiment, vraiment impressionnant le potentiel de dégâts qu'elle a! Et elle est très rapide, elle vole dans tous les sens! En fait, avec espace, vous pouvez prendre de la hauteur! Ah, rip soldat! J'aimerais bien pouvoir réa lui! Voilà, je l'ai réa, c'est bon! Mais du coup, faut vraiment. C'est un peu un réa à la Battlefield, quoi. Oh, je suis mort. Ah, je suis mort. Ah, je suis mort. Rip. C'est un réa à la BF, tu sais. Faut que tu sautes sur le mec. Ouais, c'est ça, en fait. Genre, Malek. Faut cliquer. Ouais, faut cliquer, comme dirait l'autre. Et donc, ouais, 30 secondes de cooldown. Bon, c'est quand même, en fait, le res est fort, parce qu'il y a un cooldown de 30 secondes. Mais, faut quand même aller au contact, quoi. Et si généralement un mec est mort, et que tu vas au contact, bah, il y a les ennemis qui sont pas loin, en fait. Donc ça peut être fort, je pense, contre notamment une fatale. Mais rip, mais tout le monde crève, mais c'est terrible. La matrice, c'est chaud. Hein. Ouais, la matrice dure pas longtemps. À l'aide. Tout le monde décède. Ça sent pas bon. J'ai bientôt mon ult, on va pouvoir gagner un teamfight. Ah, le Macri qui m'a chopé derrière, dommage, j'avais mon ult. Ouais. Mais ouais, du coup, c'est Valkyrie maintenant l'ult, c'est le nom que ça a. Valkyrie, capacité ultime.
Et elle est vraiment classe hein, quand elle est en Valkyrie. Elle lui fait des grandes ailes oranges dans le dos. On aurait un deuxième tank en fait, ce serait cool. Et on va rire ce soldat. Ah oui! Ah oui, en fait, faut pas se faire focus quand tu fais cet ult. Je me suis fait instant des pop là. Et ça m'a gaspillé mon ult. Ouais. En fait, je croyais qu'on avait des résistances, mais non. Y'a pas de buff de résistance en fait quand tu actives l'ulti de Ange. Donc tu restes quand même. Oh joli ça! Bah dis donc! On fait un petit triplé comme ça au calme? Ah bah oui, alors là c'est full team. C'est GG. Vas-y, prends des dégâts, je charge mon ult. Prends. Pas trop. Pas trop, y'a un ulti soldat. L'ulti Rodog là qui nous met trop cher. Pas trop quand même. Hop, le Réa. Merde. Spinda. Mada, allez, Mada, c'est bon, Mada survit. Belle bombe, la bombe. Oh là 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 là, mais ce sens fou! Mais une diva, pourquoi on ne fait pas jouer diva chez les gars de sec? Non, please, non. Bah, la nouvelle diva en vrai, là du coup elle est fun. C'est rigolo. Là c'est rigolo, là. Tu t'amuses bien. J'ai bientôt mon ult, j'ai essayé d'en faire un mieux. C'est bon, j'ai mon ult. Attention! Là c'est chaud quand même. Là c'est chaud. Faut mettre la matrice. Je savais pas. Elle est toute partie. Non! Les dégâts avec les roquettes, c'est fou. Ah la vache, c'est chaud. J'aimerais bien voir la kill cam, du coup. À quoi ça ressemble? Ah ouais, les ailes! On dirait tir à elle, quoi. Ah, c'est trop classe, hein. Ah ouais, c'est assez beau, ouais. Mais faut vraiment pas foncer dedans, quoi. En fait, tu peux y aller. Ou tu flanques. En vrai, si tu flanques, c'est bon. Genre un Zenyatta et tout, tu les. Flanque. Mais c'est mec, mais sans merci fonce. Blizzard. Merci. Merci, flanque. J'ai une excuse. Ils maintenant. Savent définitivement merci. Plus quoi faire. Oh, les mots roquettes. Attention. Merde. Monsieur, tu ne meurs pas. Oh, joli. Très joli broshield. Bon, il est mort instant, mais très joli broshield. Du coup, la matrice est très dure à jouer en fait, c'est ça? Ouais, ouais. C'est... Faut bien timer pour bloquer des trucs intéressants, quoi. Fais gaffe, bon. Le point compliqué! J'ai pas dit que c'était facile! Non, le soldat à ta droite. Voilà, c'est bien joué. Attention, je peux pas de heal, c'est bon. Y'a bientôt mon ult. Oh, les roquettes qui arrivent de Diva. Mais là, du coup, c'est classe parce que ça fait vraiment un. On dirait un chasseur le truc, quoi. Ouais. Ah, y'a un Rodog sur la gauche. Va chercher. Ouais, Va chercher. Défoncez-le. Ouais, par contre, la matrice qui fait pas tout l'ulti Rodog, ça fait mal. Yo, je dérange? On est en vidéo. Coucou, tes gars. Épice. Je défonce tout le monde. Oh, j'ai tout le monde. C'est complètement ouf, mec. Alors, c'est très fun. Mais qu'est-ce que c'est pas du tout un ulti de support, quoi. Mais alors, tu vois, ce que je me dis, c'est que si t'as un ult comme ça pour Ange, ça laisse plus de place pour des ultis défensifs pour le prochain héros qui serait support, tu vois. Ouais. C'est peut-être ça l'intérêt. Oh, c'est joli, ça. Bien joué. Donc en fait, ouais, l'ulti de Ange, faut pas... Ah là là, le hook, c'est bon. Il a tanké pour moi, le Rodog. Allez, tu peux le faire. Aïe. Oh, y'a plus de heal. Mais y'a un soldat, là. Oui. Allez. Oui. Il est sur le point. Il est où? Il est... C'est bon, il est mort. Ok. Lui envoyer des tomahawk dans la tête. Ah mais arrête de courir. Il cure. Oh merde. Alors par contre c'est ultra troublant qu'on puisse plus stopper le jetpack de Diva, quoi. Ah mais en fait tu peux avec shift. Avec shift. Ah oui d'accord. Ouais, parce que moi j'avais l'habitude de le stopper. Oui pareil. Ça c'est une habitude à reprendre. Du coup ouais c'est pour reprendre. Ah non, not this way. Dès que tu fais faire un rest d'un mec qui a overextend.
C'est terminé. Hop. Oh mon dieu. Ouf. J'ai pris dans la tête. Non. Une merci sous ult. Ah, courez. Oui, c'est ça, hein, c'est courir aux abris. Hein. Une hanche sous ult, c'est courir aux abris. Hein. Surtout qu'il n'y a pas de son, j'ai l'impression, quand elle fait son ult. Si, t'entends un gros bruit, t'entends un gros bruit. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas tout. Il manque les voice lines. Le gros cri du Genji. Ou... Oui, oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est aussi flippant qu'un Genji. Ceci, oh, bah oui. C'est terrible. Oh là, oh là. Aïe, 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 aïe. On va perdre son sushi, je le sens. Oui, oui. Allez, on les tient. Voilà, on les tient, on les tient. Le Zanim veut, je le sais. Le Zanim veut tellement. Laisse-moi, laisse-moi. Oh, au passage, on joue avec des abonnés là, du coup, c'est, on est en, dans une game custom. Et on va hold. On va hold. Et on va hold. Oh là là. D'accord. Ma foi, franchement. Alors, je suis pas sûr pour l'ult. C'est comme... peut-être un peu fort. J'ai comme des doutes sur l'ult, mon bon sens. C'est assez étrange. j'ai comme des petits doutes. Vraiment, je suis pas sûr. Franchement, c'était un aperçu de cette nouvelle Battle Ange. Évidemment, là, je l'ai joué vraiment en mode premières impressions. Oh là là, quel talent cet homme. Donc on va dire que va falloir la jouer un peu plus. Je pense qu'on fera un stream sur le PTR bientôt, de toute façon, avec les gars tout sec. Et on vous donnera un peu plus d'infos, voilà, de nos ressentis et tout. Je ferai une autre vidéo un petit peu en un peu d'analyse approfondie. Oh là, légendaire sans sous, bah, magnifique. Mais voilà, clairement, je pense que c'est une bonne idée d'enlever le reste comme il était avant, parce que c'était bon. Oui. Bah, pff. C'était un peu nos skills. Anti-jeu en fait, parce que ouais. La merci ne jouait plus à partir du moment qu'elle est son ult, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'était un peu ça, donc c'était un peu frustrant pour le coup. Mais ouais, du coup, cette nouvelle ange, j'aime bien le fait de pouvoir solo res et d'avoir un timer là-dessus. Ça rend le perso puissant et ça le fait pas dépendre uniquement de son res ult. Mais après, l'ult là est peut-être un peu trop. C'est peut-être un peu trop. Un peu trop, je me transforme en messager de la mort, alors qu'à la base, je suis juste une gentille ange, tu vois. C'est ça, t'as changé de personnalité. Yo, 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 attends, on finit une vidéo, yo. On aurait dû se mettre dans un squadrille, dans un chain record. Mais ouais, du coup, c'est vrai que c'est assez particulier en termes de... Ouais, en termes, du coup, de style de... En fait, elle change de personnalité, quoi. Oui, c'est ça. Elle est schizophrène full. Bah, c'est Valkyrie, quoi. Mais du coup, c'est bien parce que. Oui, il y a Trauma. On finit la vidéo, Trauma. C'est par rapport à ça, justement. Oui. C'est pour ta vidéo. Il y a aussi un changement intéressant à noter sur Reinhardt. C'est pour ça. Oui, ils en parlaient tout à l'heure. Qu'est-ce donc ? Alors, en gros, si tu veux, maintenant, en gardant son bouclier, il peut faire rotate la caméra en appuyant sur M1. Ce qui fait que tu as une meilleure vision du champ de bataille pendant que tu protèges. C'est ouais. Trop bien. C'est génial. Super content, ouais. Ah bah là, le trauma, il en peut plus. Ah ouais, ouais. Attends, mais du coup... Ah mais par contre, ça te fait reculer. Ça, c'est nul. Ça devrait garder ton axe de contrôle, en fait. Là, tu vois, si je regarde devant moi... J'avance, je clique, je regarde à moi et je continue d'avancer, je continue d'avoir Z. Bah là, mon perso se recule en fait. Alors que ça devrait continuer d'avancer, tu vois. Ça, c'est dommage, ouais. Mais en tout cas, pour la vision de jeu, c'est intéressant. Ah, c'est trop bien, c'est génial. Déjà que j'aime bien scruter et surveiller ce qui se passe. Ouais, c'est très bien. C'est très très bien comme changement. Ok, voilà. Bon, petit bonus de trauma, le changement sur Reinhardt. Bon, un patch riche en changements, en tout cas. C'était, voilà, une game avec Ange. J'espère que, ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je pense que l'ulti est un peu trop porté sur le « je me transforme en monstre de DPS ». Après, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que, du coup, ça change complètement le gameplay du perso. Mais est-ce que ça change pas un peu trop l'esprit de Ange ? Voilà, c'est surtout ça, ma question. C'est vraiment très intéressant, en tout cas, comme changement. Et puis, écoutez. On se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Des bisous. Merci Sansou d'avoir fait cette game. Merci aussi à tous les viewers qui ont participé. C'était. Je croyais que t'allais dire à tous les invités. À tous les invités. Les chroniqueurs qui sont passés. Bonjour. Ah, vous êtes occupés. Bisous à des gars, Yob et Trauma. Mais écoutez. Vous faites des bisous. On se retrouve très très bientôt pour d'autres aventures. On fera notamment une vidéo donc sur la nouvelle diva. Ce sera la prochaine. Et puis voilà. J'ai tout dit. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien.